GM rappelle à nouveau 131 000 Chevrolet Bolt pour un risque d'incendie, mais ça vient pas de la batterie, apparemment. Il y a beaucoup de problèmes, hein, cette voiture, quand même. Le problème concerne les véhicules électriques, donc des années 2017 à 2023, qui comprennent 19 898 véhicules au Canada et 111 000 aux US. Le document de rappel publié sur le site web de NHTC indique que GM a découvert le problème après un rapport faisant état d'un incendie dans une Bolt EV en Corée, dans lequel il semble avoir pris naissance près d'une bombe en B, à la suite d'une enquête. GM a découvert trois autres incendies au cours desquels les gaz. Alors, il y a des gaz d'échappement d'un prétensionneur ont enflammé les fibres du tapis. Je crois qu'il y a un problème de traduction là, parce que bon, c'est une voiture électrique, hein, il n'y a pas de gaz d'échappement normalement. Les propriétaires concernés devront se rendre chez un concessionnaire pour faire ajouter une feuille de métal entre le tapis et le prétensionneur, ainsi qu'une couverture thermique du prétensionneur pour empêcher l'inflammation. GM dit avoir déjà ajouté ses correctifs à la production à partir du 25 octobre 2022. Bon, eh ben, ça en fait des voitures rappelées, hein. Voilà pour ça. Donc ça nous concerne pas nous les Français, mais ceux qui sont au Canada, ben, ils peuvent être impactés. Voilà, je vous laisse commenter.